Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on vienne avec vous? Tu vois bien que nous sommes encerclés. C'est le seul chemin qui mène à l'hôpital. Et sais-tu qui vient juste d'être envoyé à votre hôpital? Qui? Camarade Spanak. Camarade Spanak? Oui. Il faut l'emmener de toute urgence à Nijevo. Sois prudent, Angelina. Personne ne doit connaître sa présence parmi vous. Vous n'avez qu'à abandonner les grands blessés. Tu me demandes d'abandonner nos camarades? Cachez dans les caves. N'emmenez que ceux qui sont capables de marcher. Mais... C'est un ordre, Irina. Bien, je... Allez, Irina, il faut partir. Allez. Tenez, colonel. Attendez. Peu m'importe la vie de toutes ces filles. Interceptez-les exactement à cet endroit. C'est là que se situe leur maquis. À vos ordres. Les ordres sont formels, il faut cacher les blessés. Et nous, nous devons les abandonner. Autant dire qu'ils sont perdus. Y a-t-il une penseuse parmi vous? Nija, occupe-toi de lui. S'il te plaît. Tu n'as qu'à aller à l'infirmerie? C'est joli. Et toi, la nouvelle? Quel est ton nom? Nivesta. Tu connais les ordres, hein? Oui, camarade. Mais je suis volontaire pour transporter les blessés. Et je peux m'occuper du camarade. D'accord, charge-toi de lui.
Attendez, je vais vous aider. Ne leur muez pas trop fort. Ah, doucement. Oh. Attention! Doucement. Pourquoi emmène-t-on ces trois-là alors qu'on a abandonné les autres? Assure-toi, je crois qu'il n'ira pas très loin, il n'en a pas pour longtemps. Tu crois? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser. Irina, on n'a pas le droit. Et là, si. Il est mort. Je viens d'annoncer que le petit Jeanne vient de mourir. Qu'est-ce que tu dis? Je crois que c'est mieux et pour eux et pour nous. Tenez, capitaine. Notre espion est en train de m'annoncer que le mystérieux Spanak est complètement mis. Quant aux blessés graves, ils les ont cachés dans une grotte dans la montagne. Les maquisards sont en train de traverser le pont. Capitaine, nos troupes devront-elles attaquer immédiatement? Non, nous avons tout le temps. Je veux le sergent Milan. Il se rend immédiatement avec ses troupes jusqu'au pont. Et j'exige qu'il m'informe dans les moindres détails de la situation. À vos ordres, capitaine. Bien. Non, j'arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Mais c'est surtout la tête. J'ai pas envie d'aller me faire tuer. Juro. Arrête de dire des bêtises. Si tu veux, on peut se mettre à plusieurs pour te porter. Non, j'aimerais mieux être dans une chambre avec toi. Ce serait plus agréable. Tu ne perds rien pour attendre. Tu n'arrêtes pas de te plaindre alors que tu n'as rien. Et ça? C'est rien, la balle t'a à peine effleuré. Moi, je veux rentrer chez moi. Laissez-moi partir. Alors, comme ça, tu veux déserter? Il a déjà essayé. Ils lui ont pas tiré dessus parce qu'il était blessé. Mais je suis sûre qu'il recommencera. Est-ce que tu vas te taire? Qu'est-ce qu'elle invente, là? J'ai jamais eu l'intention de déserter. Si tu fais ça, je te tue comme un lapin. Tu peux tirer? Je m'en fiche. Allez, viens, qu'est-ce que t'attends? Espèce de lâche. Avance. Non. Nous allons prendre le pont suspendu. C'était pas la peine de nous faire faire un aussi grand détour. Nous n'avons plus aucune force ni aucune chance de nous en tirer. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai jamais eu autant d'espoir. Je te ramène Stanka, allez, revenez. Quand vas-tu arrêter de nous suivre? Combien de fois faudra-t-il t'expliquer que tu es trop jeune pour courir de tels risques? Allez, rentre chez toi. Irina, je t'en prie, elle n'a plus rien. Sa maison a brûlé, son frère a été tué. Elle n'a aucune famille à part nous. Stanka,
La vie est très dure ici. Tu es sûre que personne ne t'a suivi? Oui. Tu es venue par le pont suspendu? Oui. Est-ce que tu as vu des soldats? Nisveta, va chercher de l'eau. Alors, on traverse ce pont. Irina, la petite n'a rien vu de suspect dans les parages. Mais elle est encore là? Laisse-moi m'occuper d'elle. Non. Pas question. La guerre n'est pas faite pour les enfants. On n'a pas le droit de la laisser. Qu'est-ce que cette petite va devenir? C'est la loi de la guerre. À ta place, je ne parlerai pas comme ça. Nous avons besoin d'un maximum d'alliés. Je propose d'aller en éclaireur. Tu es blessé, tu restes ici. Tu n'es pas capable de te battre. Dis donc, tu as une drôle de façon de remonter le moral des blessés. Donne-moi ta mitraillette. Voilà. Doucement. C'est une mitraillette qui a été conçue spécialement pour moi parce que je suis gaucher. Ça te fait rire? Ce sont des traques allemands à notre intention. Écoute bien, ils disent que si on collabore, nous n'aurons plus de problème avec eux. Ouais, tu y crois, toi? Oh, vaut mieux entendre ça que d'être sûr. Comment va-t-il? Il va beaucoup mieux. Je vais lui chercher un peu d'eau. Est-ce que tu m'entends? Camarade Irina? Qu'est-ce qu'il y a? Tout est de ma faute, j'aurais dû le retenir. Je suis responsable de sa mort, camarade. C'est une négligence de ta part. À partir de maintenant, tu t'occuperas des chevaux. Tiens, prends ça. Oh. C'est du pain? Où tu l'as eu? Quand j'ai rejoint les partisans, ma grand-mère m'a donné une galette et un petit pot de beurre, comme le petit chaperon rouge de la fable. Alors j'en ai gardé un peu. Quand je pense que je connais pas ton nom. Marin. On m'appelle Marin. J'ai jamais vu la mer. Et quand j'étais petit, je portais un costume de marin. Je devais être charmant. Tu as rejoint les partisans depuis quand? J'ai quitté ma famille parce que leur vie était trop dure. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Alors je suis venu ici, plein d'espoir pour leur permettre de vivre enfin libre et heureux. Je me suis trompé. La vie est encore pire ici. On n'arrive jamais à savoir si tu plaisantes ou non.
J'aimerais parler sérieusement, mais tu t'esquives. Peut-être qu'un jour... Je ne comprends pas. Nous serons réunis parce que tous les deux, nous menons le même combat. On n'est pas loin de Mirogevo. Ils sont derrière nous, ils ne nous lâchent pas d'une semelle. Regarde ça. Il faut absolument qu'on atteigne le plus vite possible le nord du lac. C'est de la folie, on est au bout de force et nous n'avons rien à manger. Je crois qu'il vaudrait mieux que nous prenions du repos et ensuite nous serions de meilleur état pour avancer. On ne peut pas rester ici. Pourquoi? Il vaut mieux se faire tuer au combat plutôt que de crever de fatigue, c'est plus glorieux. Salut, camarade. Abat le fascisme et vive la liberté. Comme ça, vous allez me libérer. Je m'en doutais pas. Ouais, comme mes moutons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? De toute façon, tu perdras tes moutons. Si c'est pas nous, ce seront les Allemands. Alors, au choix des deux. Regarde, regarde. Dans quel état sont les partisans? Ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Ouais, d'accord, d'accord, j'ai compris. Il faut que je vous les donne, oh, bon, après tout. Ouais. Dis-moi, berger, quand est-ce que tu le mets, celui-là? Quoi? Ah, ce casque. Oh, c'est l'Allemand qui me l'a donné. Il voulait me prendre mes moutons, alors j'ai coupé la tête. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nous n'avons pas été informés à ce sujet. Envoyez immédiatement une fusée. Il va tout rater. À vos ordres. Je vous disais que la présence de cet avion ne me dit rien qui vaille. Les fusées m'inquiètent encore plus. Dépêchez-vous d'avancer! Allez! Allez, dépêchez-vous! Les Allemands, cachez-vous vite!
Vite! Halte, des partisans! Apporte-moi de l'eau. Il n'y a plus de ferry? C'est le vieux Sejo qui s'occupait du ferry. Je le sais parce que je l'ai pris plusieurs fois. Tant pis, on traversera un autre endroit. Non, on n'a pas le temps. Ils ont envie de s'apercevoir de la disparition de 3 soldats. Comptez les suivre longtemps comme ça? Ne m'interrompez pas pendant mon déjeuner. Oui, mais il va falloir passer à l'attaque, capitaine. Ben, ils ont un blessé parmi eux qui m'intéresse au plus haut point, et je le veux. Il va nous servir de monnaie d'échange contre un prisonnier, le colonel Ledre. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'agis ainsi? Nous ne devons pas prendre le risque de tuer ce blessé, ils le savent. Refuse de traverser le fleuve de l'autre côté, c'est pareil. Autant rester là, je ne crois plus à notre cause. À quoi bon continuer à me torturer? Vos chefs sont des pourris. Quand je pense qu'ils envoient des blessés, des femmes au casse-pipe, je ne marche plus. Tu n'es pas obligé de venir. Ça fera une bouche de moins à nourrir. De l'herbe et des racines. J'appelle ça de la nourriture. J'ai qu'à me baisser pour en ramasser. De toute façon, au point où j'en suis. Et les 3 Allemands qui ont été tués? Il y aurait des représailles, crois-moi. Tu crois vraiment? Mais moi, je suis pour rien. C'est insensé. Est-ce qu'on sait au moins où on va? Moi, je suis capable de prendre le commandement de la colonne. Ah, tu parles beaucoup. T'en as contre qui exactement? Qu'est-ce que tu dis? Ah, je t'écoute, mais qu'est-ce que tu veux au juste? T'as une solution à proposer? Où est-on exactement? Là, regardez. À l'endroit où tu mets ton doigt? Oui. Il manque un morceau de carte. Et c'est justement à l'endroit du lac. Qui a bien pu faire ça? J'ai peur que nous ayons des ennuis au moment du passage des rochers. Milja! Viens!
qu'est-ce que tu es pensif depuis quelque temps? Oui. C'est vrai, c'est le jour où le blessé est tombé du pont. Je n'oublierai jamais son cri. Oublie-le. Personne ne t'a fait de reproche. Oui, mais si tu savais la façon dont on me regarde. Personne ne m'a fait de reproche, mais les regards en disent long. N'y pense plus. Un peu de courage, il faut continuer le combat. Tu as raison, Annika. J'irai jusqu'au bout, j'y suis décidée. Depuis que je t'ai rencontré, je redoute de participer au combat. Pourquoi? Tu as peur de quoi? De la guerre. Tu entends comme tout est calme? J'écris sur l'ardoise comme à l'école. Fais de la poésie sur la douceur de la nuit. Tellement que ces balles qui sifflent à mes oreilles m'atteignent directement en plein milieu du cœur. Et toi, tu n'as pas peur de la mort? Je ne veux pas te perdre, non. Comme la vie est injuste. J'ai peur que la guerre nous sépare et de ne jamais te retrouver. Je veux rester avec toi. Tu es musulmane? Oui. Ah, je m'en suis doutée à cause de ton nom. Et alors? Tu sais, mes parents étaient contre ma décision de rejoindre les partisans. Et tiens, comment ils ont réagi? Je n'ai pas de parents. Mes parents sont extrêmement religieux, tu sais. Ma mère va à la mosquée tous les matins. Tous les matins? Laisse-moi faire. Tu es allé voir Milja pendant qu'elle était de garde. J'avais pas d'allumette. Alors j'ai été lui en demander. Ça suffit. Évidemment, tu ne sais pas où est Juro. Juro a déserté, il savait ce qui l'attendait. Il n'y avait rien d'autre à attendre de lui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Oh, mais qu'est-ce que tu as contre moi? C'est pas la peine de pleurer. Dans toute autre situation, tu aurais été fusillé sur le champ pour ce que tu as fait. Irena, ne te mets pas dans un tel état. Milja se fera nonne après la guerre. Faut pas être jalouse comme ça. Tu sais, ça ne change rien, au contraire. Je t'en prie. Tu devras aussi répondre de ça, marin. Eh oui. Irena, si ça te fait plaisir, vas-y.
Fais-moi fusiller sur le champ, tu auras fait ton devoir. De toute façon, maintenant, tout m'est égal. Et si les Allemands étaient arrivés? Mais ils ne sont pas venus. Milja, est-ce qu'une nuit de plaisir vaut le sacrifice de nos vies? Mais qu'aurais-tu fait à ma place? Je n'ai rien à répondre. Avoue que tu aurais aimé être à ma place. Non. Tu devras répondre de tout ça. Arrêtez. Posons-le doucement. Ça va. On peut repartir. Tiens. Donne. Out. Un peu inquiète. Je ne connais pas le coin et ça correspond au morceau de carte manquant. À ton avis, c'est accidentel? Non, je ne crois pas. Il y a peut-être quelqu'un parmi les partisans qui... Tu soupçonnes quelqu'un? Je crois que j'ai ma petite idée là-dessus. Qui est-ce? Je n'en suis pas certaine encore. Il me manque des preuves. Il va falloir extraire la balle. C'est nécessaire? Tu es sûr de toi? Tu as une autre solution? C'est une opération très difficile. Je n'ai pas fait que m'amuser à l'université. Je sais que c'est possible. Minka... Tu ne peux pas l'opérer comme ça. Pourtant, il le faut. Sinon, il est perdu. Minka. Est-ce que tu sais qui c'est? Vous avez des renseignements de notre espion? Non, capitaine. Mais voilà les dernières nouvelles par radio. Est-ce que tu peux me passer la carte? Tout de suite, capitaine. Je pense que nous allons tout simplement les cueillir à cet endroit. Vous voyez, entre les rochers, c'est un peu plus au nord, près du lac. Et s'ils changent de direction? Vous ne comprenez rien. La stratégie est un art et il faut savoir parfois tendre. Je leur concocte une surprise. Préparez le bateau pour que les hommes traversent. Allez, exécution. À vos ordres, capitaine. D'après toi, l'opération est réussie? Je n'en sais rien. J'ai peur qu'il y ait des complications. Tiens, c'est Stanka. Ruza! Blessée? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a sauté sur une mine. Oh, c'est ta faute, ça. Que s'est-il passé? Tu peux faire quelque chose, Minka? Ah, tu peux être fière de toi. Je t'ai demandé de nous laisser tranquilles. Camarade Irena, c'est pour toi. Je t'en prie, mange-la. Elle nous a apporté des fruits. Mais elle a failli causer la mort de Ruza. Tu ne crois pas qu'elle est capable de placer une mine? À cause d'elle, nous avons des blessés supplémentaires et nous n'avons pas besoin de ça. Irena, elle n'y est pour rien. Quand je donne des ordres, j'aime qu'on m'obéisse. J'en ai plus qu'assez de ton autorité abusive, Irena. Stanka ne peut pas rester seule, elle a peur. Que ça te plaise ou non, elle reste avec nous. Viens, Stanka.
train de se tromper complètement. Il ne faut pas rester dans ce coin-là. Il faut monter vers le nord, on trouvera le passage. On devrait s'occuper des blessés et se reposer un peu, nous sommes exténués de fatigue. Tant pis. Attention, tu vas me faire tomber. Thank you.
dîner, capitaine. Oui, je reçois à 5h05. Oui, je sais, mon commandant. Mais je ne m'attendais pas à une telle résistance de la part des femmes. L'opération est un succès dans l'ensemble. Nous avons perdu quelques hommes. Mais je crois que cette fois-ci, elles emprunteront l'itinéraire qui sera favorable. Est-ce que vous pourriez m'envoyer des renforts, commandant? À vous. Non, elles ne s'en rendront pas comme ça, commandant. Elles iront jusqu'au bout. J'en suis sûr. À vous. Oui, je pense que nous arriverons à sauver le lieutenant-colonel Lederer. À vous. Un peu de nourriture et de 4 chevaux pour transporter les blessés. Alors, quand la guerre sera finie, nous vous restituerons votre bien. On n'a plus rien. Un bal est parti. Nous sommes démunis de tout. Nous sommes trop pauvres. Nous ne pouvons pas donner le peu qui nous reste. Quand la guerre sera finie, vous serez bien content de nous trouver. Nous vous aiderons à reconstruire votre pays. Donne-moi ma fourche. Un bal est parti. Si tu oses, frappe-moi. Tu n'as pas appris que par principe, on ne touche pas à une femme, mais si ça peut te soulager, alors vas-y. Laisse. Si nous sommes contre vous, c'est parce que nous y sommes obligés. Quand vous serez partis, ils vont piller notre village, violer nos femmes parce qu'ils ne vous auront pas trouvé. Dépêchez-vous de fuir. Les Allemands, sauvez-vous. Les Allemands arrivent. J'y vais. Thank you.
Emmène-le. Écoute, Irena, que va-t-on faire de l'Allemand qu'on a capturé? On va le faire parler. Ça va te servir à quoi de le torturer? Tu penses qu'il était le confident de son commandant? Il a certainement beaucoup à dire. Et moi, je le ferai parler. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'aujourd'hui, c'est jeudi, que nous sommes des bandits, et qu'Hitler va gagner. Il a beaucoup à dire, il va falloir les forcer. Il existe des tas de moyens, tu sais. D'accord. En attendant qu'ils arrivent, qui est capable de l'interroger? Je m'en charge. Los! Allô, tu vas parler? On t'écoute? Qui est-ce qui a fait ça? Je n'en sais rien. J'étais là, mais je ne me suis rendu compte de rien. Tu dormais, avoue-le. Non, je ne dormais pas. C'est lui qui dormait. Irena! Irena! Regarde! Oui, j'ai vu. C'est un écouvillon. Elle n'y est pour rien. N'importe qui a pu passer par la fenêtre sans qu'elle s'en aperçoive. Milja, où est ton écouvillon? J'en ai jamais eu. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder? Vous êtes fous! Il va falloir trouver qui est l'espion. Et le plus vite possible, Minka. Ce ne sera pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus la peine. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il n'a pas résisté à l'opération. C'est impossible. Il est mort. Vous l'avez tué. Je suis désolée pour toi, Nisveta. J'y suis pour rien, je vous le jure. Nous étions du même village. Je l'ai quitté que pour chercher de l'eau. Je me suis occupée de lui comme un frère. Vous me croyez? Il faut continuer à le transporter. Les Allemands ne doivent pas savoir qu'il est mort. Les sentinelles nous signalent que les Allemands arrivent de toutes parts. Allez, il faut dégager. Allez, allez, vite! Jamais dû venir ici. Jamais. J'aimerais bien être un petit oiseau pour voler. Avec une petite cervelle. Ça ne sert plus à grand chose de penser. Puisqu'il n'y a plus matière à penser, contemplons le paysage. Marin,
Ils vont payer pour nos vies. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe. J'aurais dû faire plus attention à lui. Est-ce que tu le connaissais? Non, pas du tout. Je n'ai même jamais entendu le son de sa voix. Sauf lorsqu'il est tombé du pont. Il a poussé un cri horrible. Tu n'y es pour rien, Maja. Nous sommes avec toi pour partager ta peine. Il a la jambe cassée. Enlevez le blessé. Voilà, nous sommes arrivés au point critique, ne bougeons plus. Elles n'échapperont pas. Mais surtout, tirez avec prudence. Vous ne devez pas toucher aux blessés. Et pourquoi vous avez fait demander des renforts, capitaine? Elles apparaissent et disparaissent comme de véritables chamois. Mais nous allons nous rendre dans la région des rochers et nous les retrouverons. Encore une de leurs ruses. Histoire de gagner du temps. Minka, non! Imaginez sa tête. Pose ce revolver. T'as vu ce que j'ai trouvé? Dépêche-toi de le poser. Tu veux te rendre aux Allemands? Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que c'est vrai ce qu'ils écrivent dans leur tract? Que si on refuse de se rendre, ils nous fusillent? En tout cas, je dirai à la camarade Irena que tu m'as menacé. T'as pas intérêt. Et je ne dirai rien. Ils ne sauront pas que tu voulais te rendre. Les laisser s'approcher le plus possible. Il faut épargner nos munitions. Dire qu'on a fait tout ce chemin pour venir mourir ici. Quel dommage. C'est une erreur d'être venu se cacher dans ces rochers. Mais si on en est arrivé là, mesdemoiselles, c'est grâce à votre charmante baignade. Évidemment, toi, tu te trompes jamais, bien sûr. Hélas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre un si grand nombre? Nous sommes perdus. Mes parents disaient qu'il y avait un passage dans les rochers. Un passage? Par une grotte. On passe d'un côté à l'autre. Tu es sûre de ce que tu dis? C'est ce qu'ont dit mes parents. Est-ce que tu as l'idée de l'emplacement de cette grotte? Je crois que c'est là-bas, sous le rocher noir. On va en retrait! Yurka et Stanka, allez au rocher noir! Allez-y, je vous prie! Allez, allez, vite!
Garde à vous. À droite, droite. Cessez immédiatement l'attaque frontale. Encerclez les femmes et séparez les soldats blessés. À vos ordres, capitaine. Lance-fusée. Minka. Ils arrêtent. Qu'est-ce que ça peut bien cacher? C'est une manœuvre. Regroupons-nous tous dans les rochers. Attention! Venez vite! Pressons, pressons! Capitaine, qu'est-ce que dit votre informateur? Elles nous ont eues. Le partisan qui nous intéressait est mort. Nous n'avons plus aucune raison de les épargner. Mettez en marche, artillerie lourde. Qu'est-ce que vous attendez? Mais votre informateur est avec eux. Enfin, nous n'avons plus besoin de lui. Laissez battre en retraite, sans panique. Minka, hein? Va les rejoindre. Le marin et moi, on va te couvrir. Bonne chance. Qu'est-ce que... Pourtant, c'est par là. J'en suis sûre. Dépêche-toi. Attends, si, je me souviens bien. La voilà. Placer la charge d'explosifs à l'entrée de la grotte. Il faudra tout faire sauter lorsque nous serons tous passés. Quel explosif? Donne-le-moi. Voilà. Irina! Attention, elle vous fait exploser le passage!
être la dernière fois qu'on se parle. J'aimerais te l'entendre dire. Hein? J'y manquerai pas, chérie. Tout à l'heure. Tu disais, déjà. Marie. Marie, je voudrais que tu me dises ton véritable nom. Oublie. Oublie tout. Est-ce que tu as placé le détonateur? Oui, ça y est. C'est là. N'y touche surtout pas, ça risque d'exploser. Emmenez-la. Nisveta, viens ici. Tu as bien dit que ta mère était musulmane. Oui. Et qu'elle allait à la mosquée tous les jours. Oui. Une musulmane ne va à la mosquée que pour le Ramadan. Tu t'es occupé du blessé parce que tu croyais que c'était Spanak, le commandant de tous les partisans. Tu t'es trompé, il est vivant. Regarde. Je sais. J'ai commis une seule erreur. J'aurais dû vous tuer. Vous tuer tous! Tous! J'aurais dû... Allez, doucement. Merci.
j'étais aussi idiot, c'est parce qu'il le fallait. Non, Uranna. C'est toi qui avais raison. Les jumelles. Dis-moi. Comment c'est de l'autre côté? La Yougoslavie revient enfin, Irena. Tout est calme grâce à toi. Nous allons vivre dans la liberté. Dans le bonheur, Irena. Que nous le devons. Maintenant.